Allô? On va vous rendre l'otage. Vous vous souvenez de Neketsu Koa? Eh bien, ce jeu a connu de nombreuses suites, dont une sur Game Boy intitulée Neketsu Koa Kunio-kun Bangai Rantohen, sortie fin 1990. Et comme avec Renegade, la version européenne et américaine de Neketsu Koa machin machin fut retravaillée, les sprites furent changés et c'est devenu Double Dragon 2 sur Game Boy. Notez le chouette remix du thème original. Du coup, l'histoire change un peu, nos amis les jumeaux sont rentrés dans un nouveau dojo, il y a un certain Anderson qui est jaloux, il tue un mec et accuse les deux dragons du meurtre. Et de ce fait, ils se font savater la gueule. Je sais, c'est un peu décousu, mais je vous retranscris ça tout pêle-mêle aussi, on n'a pas le temps de lire. Dans le mode d'emploi, ils vont même jusqu'à résumer tous les autres volets des deux dragons, et ça prend 4 pages. On a toujours les coups de poing, les coups de pied, on peut projeter, faire un dragon punch, et on peut lancer l'écrasage de couilles. Oh là là ! Oh non, mais aucune pitié, ce bambin ! Il se tire le genou, là. Par contre, on peut pas prendre les armes et ça, c'est nul. Donc, Billy et Jimmy doivent prouver leur innocence en pétant la tronche à tout le monde, jusqu'à atteindre le QG des scorpions. C'est le nom des méchants. Enfin, ils disent que c'est le nouveau dojo, mais ça ressemble pas du tout à un dojo. Comme d'hab, on tabasse les gens, à savoir que les niveaux sont assez courts aussi. Le premier niveau se passe dans la rue, rappelant... ouais, ce jeu-là. On se tape contre un boxeur à la fin, et le second niveau, c'est... ouais, c'est pareil que le jeu. Ensuite, on est dans le métro, là encore, c'est... puis on débarque sur les quais avec cette batte relou qui nous envoie valdinguer et on sort dehors. Et là encore, c'est pareil. Et la musique est trop stylée! À la fin, on re-rentre dans le métro. Du coup, je comprends pas trop l'intérêt d'en ressortir. Et on se retape les mêmes niveaux que précédemment. Et après on arrive, on ressort. Et ouais, c'est encore... et c'est toujours une musique hyper classe. Et enfin, c'est le niveau 7, qui ressemble toujours à... et j'ai pas pu aller plus loin, parce que si tous les autres niveaux du jeu font de 3 à 4 écrans, ici on se tape une tour entière avec 3 étages. Deux passages en ascenseur d'ailleurs, avec un gars avec un couteau et un type avec un flingue. D'ailleurs, ils sont partout dans le niveau, les mecs avec les couteaux et les mecs avec les flingues. Et moi, je suis mort à ce passage des portes où c'est la valse des boss. On se retape le boxeur du niveau 1, on se tape aussi un mix entre Leatherface et Jason, et le ninja qu'on avait affronté au niveau 6. Mais ce jeu est trop cool! La maniabilité est trop bonne, on n'a pas de passage plateforme, les coups sont puissants et les musiques sont trop classes! Sérieux, Double Dragon 2 sur Game Boy est un must-have! En plus, les continues sont infinis. Et voyons si le reste de la saga est aussi bon. Et pour tester la version NES, je re-reçois Punky Boy! Hey, salut, j'ai accolé mes autocollants PSB partout! Ah, pourquoi t'as fait ça? Double Dragon 2 est la suite directe à Double Dragon 1. Oui. On remarque qu'ils ont viré le mode VS du premier sur NES d'ailleurs. Mais quel mode VS? Ah oui, j'en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'on y joue jamais en fait et du coup on sait pas qu'il existe. Mais il y a un petit mode VS sur NES où on se tape l'un contre l'autre comme à la fin du jeu. Et c'est pas folichon. Ah oui, puis tant qu'on est là-dedans, j'ai pas parlé de cette voiture aussi. Pour ceux qui connaissent, c'est la voiture de Road Avenger sur Mega CD. Et comment une voiture issue d'un jeu sorti en 1994 peut se retrouver dans un jeu de 87? Eh bien tout simplement parce que Road Avenger est en fait l'adaptation de Road Blaster, un jeu d'arcade sur CD datant de 1985, dont Kishimoto a participé. Oui, il y a eu des jeux sur CD en 1985. Dragon Slayer en est le meilleur exemple. Voilà.
Et j'ai un jeu, Punky, à chaque gros ennemi qui va essayer de deviner à quel acteur il ressemble. Ah d'accord, c'est cool. Donc disais-je, le jeu fait suite directe au premier, et si sur arcade le jeu n'est qu'un copier-coller de la première version, le second niveau est carrément le même, sur NES ils ont transformé le jeu en un pur chef-d'œuvre. On peut même faire des super coups comme le coup de pied tournoyant, l'uppercut et le coup de genou dans la gueule. Wouh, regardez le volet! Et pour faire le coup de genou, c'est un peu compliqué, faut réussir à ressauter quand le personnage se relève, il y a un timing à gérer, mais une fois qu'on y arrive, voilà, ça donne ça. C'est assez sympa. Et l'histoire? J'y viens, l'histoire se passe au siècle dernier. Ah, les fameuses années 1900XX, et le gang des Black Shadow se venge de l'affront du dernier opus en butant la gonzesse de Billy. Sur NES, on voit rien, à part des nichons là, mais sur arcade, on a ça. Ouais, c'est hyper violent. Billy s'associe donc à son frère, revenu d'entre les morts, pour booter le gang hors du... pour booter le gang, appelé ici Shadow Warrior, comme dans Ninja Gaiden chez nous. Et puis voilà, on est parti. Le thème est coolos avec un remix disco de la zig du premier. Et je vous mets la version US pour avoir un meilleur son. Il y a trois modes de difficulté, dont le mode Supreme Master de la Mort, et si on veut voir la vraie fin, eh ben, il faut se taper le Supreme Master de la Mort. Et quand on commence le jeu, on remarque la fausse bonne idée venant des développeurs. Attends, là, c'est quoi le coup de pied et le coup de poing en fait là ? Et oui, Kishimoto a eu cette idée chelou d'inverser les coups à chaque fois qu'on pointe une direction. Et je vous explique, A donne un coup à droite, B donne un coup à gauche à chaque fois. Et bref, c'est un calvaire, enfin du coup, ça mélange des coups de poing et les coups de pied, vu que lorsqu'on est entouré, eh ben, on bouge tout le temps, et du coup, on est vite débordé. Alors, bref, mis à part ça, les coups sont bien violents comme tout, et les armes sont beaucoup plus fun. Oubliez le fouet, les nanas se pointent avec une masse d'armes maintenant, et il y a même des barres à mine. Haha, alors t'as un coup de barre ? Et voilà, on arrive devant le boss. Gérard Depardieu ! Je plaisante jamais avec ces choses-là. Une fois buté, il disparaît. Et il réapparaît. Et on le rebute. Le second niveau, il y a des gouttières partout, dont celle-ci, où on peut virer les gens. Allez, dégage. Et puis, il faut monter et redescendre rapido, sinon l'hélico, il nous bute avec sa mitraillette. Voilà. Et voilà, on attend. Et on fait le ménage. Et puis les deux ninjas contre-attaquent, et puis on les bute, et puis nos deux héros attendent comme deux cons que l'hélicoptère... C'est chopper, baby. Oui, enfin, que le chopper décolle pour se décider à monter dedans. Yeah, un niveau en 16/9, trop cool. Oui, pour faire style, on est dans le chopper, ils ont réduit l'écran. Et surtout, reste pas près de la porte, hein. En effet, visiblement, l'ouverture automatique a un souci, vu que la porte s'ouvre de temps en temps, et il y a un effet de succion. Michael Jackson. Oui, et le but du jeu, c'est de le virer de l'hélico. Allez, dégage. Il est revenu d'entre les morts. Le chopper atterrit sur une île et on va dans le sous-sol et il y a un tunnel avec des pics à la con. Allez, le plus marrant, c'est de faire ça. Mais putain, mais comment on passe ça aussi là? Bah c'est simple en fait, tu vas là. Ah. C'est con leur truc aussi. Forest of Death. Bref, comme le niveau 3 du premier, on avance, on tape, on fait gaffe à pas sauter ici mais à bien passer par les lianes, on saute les plateformes reloues. Putain, ça y est, je suis mort. Un train géant. Ouais. Ils savent plus quoi inventer en fait. Enfin, c'est un train ça. Mais je sais pas, j'ai jamais su. Ah d'accord. Et pour rigoler, suffit de se mettre ici et de laisser faire la magnifique intelligence artificielle du soft. Schwarzy, ça c'est Schwarzy ça. I'll be back.
Mansion of Terror. Et voici le niveau le plus relou de tout le jeu, avec des pics partout qui tuent en une fois, et ces satanées plateformes qui disparaissent tout le temps. Et arrivé ici, c'est super relou, parce qu'il y a les plateformes qui disparaissent, voilà, et le temps que le personnage se relève, qu'on a sauté, et ben voilà, la plateforme a le temps de disparaître. Et des fois, quand on saute, on tombe pile au milieu sur les pics. Ben ouais, il faut toujours appuyer sur les deux boutons pour sauter, et enfin du coup, faut un timing au poil de fion. It's on quoi ? Ça veut rien dire leur truc. Et on retombe encore sur une plateforme qui disparaît au fur et à mesure, comme dans le premier opus. Mais là, faut pas trop stresser, il restera toujours un petit bout à la fin. Et ils te remettent le boss à deux transformations. Vas-y, allez, prends ton temps, du con, c'est bon. Et voilà des roues qui tournent et des pics qui volent. Ça peut pas être plus chiant. Où sont les boules gluantes du chef ? Non, je pense pas que ça doit être ça. Enfin, c'est le dernier niveau et on remarque que nos jumeaux sont en vérité des vampires. Ouais, y a pas de reflet. Et voilà, ça y est, moi aussi je suis mort. Et pour voir la fin, on fait comment en fait ? Alors on va faire la magie du montage. Et voilà, maintenant on se bat contre leurs jumeaux diaboliques. Leur triplé diabolique, ça se dit ? Moi, ça passe. Ok, donc. Bon, leur triplé diabolique, qui lorsqu'il disparaît peut les posséder, et il fait aussi ça. Et une fois battu, si on n'a pas pris le mode Supreme Master, le jeu est fini. Mais sinon, on a le dernier boss qui fait un coup d'enculé en faisant croire que Maria, enfin Marion, Marianne, enfin ça change selon les traductions, est encore vivante, et en fait c'était un piège et un clown apparaît. Et ce con peut devenir invisible et faire la corde à linge de Zangief. Une fois battu, Marianne, Marion, Maria revient sur Terre, portée par un ange, et c'est fini. Et en fait, Double Dragon 2 sur NES est un des meilleurs jeux de la machine. La musique est géniale, l'animation est géniale, on s'amuse vachement, les coups sont bien violents, et à deux, c'est bien marrant. Et voilà, c'était Double Dragon 2 sur NES. C'était sympa. T'en as un autre Ouais, alors j'ai le 3. Le 3, ça veut dire que ça va être encore mieux que le 2? Non? Enfin, si tu veux avoir. Double Dragon 3, The Sacred Stone, ou Rosetta Stone sur les autres versions, c'est le nom d'un groupe écossais, et donc la suite du 2. Marion a disparu, oui ici c'est Marion et plus Marianne, et Bimmy et Jimmy partent à sa recherche. Putain mais Bimmy quoi. Et pour partir à sa recherche, il faut réunir trois pierres sacrées, voilà, c'est le scénar. Le jeu commence aux USA dans un dojo et il y a un type attaché, on bute ce mec, et le type attaché nous fait le coup du Arg, c'est-à-dire qu'il va nous révéler le nom du super méchant, et Arg meurt. On remarque aussi que nos héros sont super baraqués et qu'ils se tiennent bizarrement, surtout les pieds. Et au niveau des coups, finit le coup de genou. Oh. Mais on peut sauter sur la tête des types pour les balancer. Et là, c'est physiquement impossible à faire dans la vraie vie, je sais pas comment il fait ça. Et on peut aussi continuer le coup de pied tournoyant. Et on peut même le faire à deux en même temps, ce qui tue les ennemis en un seul coup. Donc du coup, faut le faire tout le temps. Et on a même un Nunchaku dans les options, mais on l'a pas longtemps. La musique est hyper cool. Et en fait, c'est le seul truc cool du jeu. Ouais, la maniabilité est relou, les coups sont lents, et surtout... Mais quoi le fuck ? Ouais, on a qu'une vie. Allez, motive, on s'y remet. T'as pas un autre jeu, là ? Si, alors, j'ai Double Dragon sur Super Nintendo. Sur ? Sur Super Nintendo. T'es pas bien, mais t'as cru que j'allais jouer sur ta Super Nintendo de merde, je joue sur Mega Drive, mais t'es pas bien, mais vas-y, mais je me barre plus jamais. Non, mais c'est bien, c'est bien, dégage, dégage. Mais t'étais pas kidnappé, toi ? Ah non, mais t'inquiète, c'est fait. Ok. Alors le scénario, on sait pas. À tous les coups, c'est encore Maria, Marion, Marianne qui fait des siennes.
Et en même temps, que demander à une meuf qui force deux frères à se taper dessus? On peut enfin utiliser 4 boutons. Avec le X, on saute, Y, c'est coup de poing, A, c'est coup de pied, et avec le B, on peut faire des contres, et c'est vachement cool. On peut aussi charger avec L et R, et le perso a juste une violente envie de chier. Et c'est tout. Et si on charge pas en entier, ça fait genre des super coups. C'est American Technos qui se charge du jeu, on dirait. Enfin, même s'il y a marqué Technos Japan, mais bon. Et le premier truc qu'on remarque, c'est... la musique qui est pourrie. Surtout comparé aux autres volets, même le 3. Le deuxième truc qu'on remarque, c'est qu'il est mou ce jeu. En plus, visiblement, ils brûlent très vite leurs cartouches en foutant un ennemi color swap dès le second écran et un ascenseur au troisième écran. En plus, les transitions, c'est juste du... Voilà quoi, c'est de la transition mariage. Et le plus marrant, c'est à la fin des niveaux. Des fois, on bute un ennemi et... Bah, c'est le boss ? Bah non, il n'y a pas la musique spéciale boss. Il n'y a pas de boss en fait. Au second niveau, on est dans un aéroport avec des employés qui bougent pas, des clandestins, et l'avion qui part sans nous, mais qu'on arrive à rattraper quand même. Enfin, je pense. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de cinématique. On a toujours des armes aussi, un nunchaku avec une anime moins bien que dans le 3, et des grenades qui butent en un coup. Et il y a aussi des couteaux qui mangent la moitié de la vie, ouais. Et le célèbre coup du boomerang. Je l'envoie, et il revient dans la gueule. Et pour battre les ennemis, des fois, suffit juste de se mettre au bord de l'écran et de taper. Voilà. C'est facile. Dans les autres trucs relous, il y a aussi les niveaux avec un design foireux. Prenons celui-là. On grimpe dojo, on sort, on se frite contre Tao Pai Pai, on descend. On se refrite contre Tao Pai Pai et on redescend. Voilà, niveau fini. Et tous les niveaux sont comme ça. On monte par exemple les escaliers de secours, on arrive en haut, il y a une transition mariage, et on doit redescendre. Et des fois, ils nous foutent des décors genre ça bouge, mais c'est pas super génial. On se croirait dans un épisode de Derrick. Et non seulement c'est mou, mais en plus, dès qu'on se prend plusieurs coups, y a ça. Tiens, là il est stun. Bah quoi, je commence. Tu vois cet ennemi, on dirait un mix entre Blanca et Charlie. Ah ouais, ouais. Game over. Wouhou. Allez, comme t'es là, on va faire Double Dragon 5. C'est un versus. Ouais, c'est pas téléphoné ça. Non, pas du tout. Allez, Double Dragon 5. Après la mode du Beat'em All, le Technos succombe au charme du Versus Fighting. On se souvient de la version Neo Geo avec Robert Patrick en fond? Et ben là, c'est l'adaptation Super NES et c'est un peu différent. L'intro est chouette, même si la musique est foireuse. Et le design, on dirait juste une version cheap de Super Street Fighter. Mais... Le scénar est basique, hein, le Shadow Master a mis au point un virus dans la ville de Metro City. Metro City. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, il faut taper tout le monde. On a le choix entre 10 personnages, Billy et Jimmy, qui se ressemblent à Max. Et en plus, c'est le même coup. Même si dans les fiches, ils nous disent que c'est pas la même technique, mais si, c'est la même technique. Il y a Ice Peak, qui ressemble à Glacius de Killer Instinct, avec un coup piqué à Sub-Zero. Codiz, ça me rappelle quelque chose, ça. Il y a aussi Bones, qui est un squelette, qui tire des lasers des yeux, alors qu'il a une mitraillette, et qui a les mêmes coups que Countdown, un peu. Et qui aime dans l'affiche Marilyn Monroe. Super la blague. Il y a aussi Joe Breaker, Sickle qui fait la vrille. Il y a Blade carrément pompé sur Baraka de Mortal Kombat 3. Il y a T-Happy qui a pas l'air super happy et qui fait des flammes à la Street Fighter et électricité à la Blanca. Il y a Sekka qui est carrément pompé sur Kitana de Mortal Kombat 3 avec aussi les coups de Chun-Li et de Vega. Et les voix off sont pas hyper motivés. Match 1, fight. En fait, c'est quoi le rapport avec le dragon? Je sais pas, attends, il y a des squelettes là, il y a des. C'est quoi le rapport là? Je sais pas si c'est des gangsters qui se sauvaient de nana là, non? Il y a que dalle. Il y a Billy et Jimmy. Et la musique elle est là ou pas? Non. C'est quoi le rapport alors? Il y en a pas. Ok. Et quand on finit un combat, on a cet écran. Ça rappelle carrément quelque chose. Au niveau des menus, nous avons le mode tournoi, le mode VS, le mode story qui est comme le mode tournoi, et le battle démo qui sert à voir.
une démo entre deux combattants. Bon voilà, alors verdict. Alors la hitbox est pourrie, comme la maniabilité, les persos se ressemblent tous. En gros, c'est le Street Fighter 2, bah, du tiers-monde quoi. D'accord, merci pour cet avis, et maintenant je vais vous lancer la série des pourquoi. Pourquoi dans Double Dragon 1 sur NES ils ont foutu ce système de cœur qui sert à rien? Pourquoi dans celui sur Game Boy on doit grimper tout un immeuble pour redescendre en ascenseur alors que ça serait tellement plus simple de passer directement par là? Pourquoi dans Double Dragon sur Master System on peut pas choisir si on veut Friendly Fire ou pas? Pourquoi on doit choisir une difficulté dans Double Dragon 2 sur NES? Pourquoi d'ailleurs dans Double Dragon 2 sur NES le bas de l'écran est buggé à mort et du coup on dirait une barre de progression? Et Billy et Jimmy faisaient-ils partie des forbans? Pourquoi dans Double Dragon 2 sur Game Boy on n'a pas le droit aux armes alors que dans le 1 on a le droit? Pourquoi il n'y a qu'une vie dans Double Dragon 3? Pourquoi dans Super Double Dragon Jimmy est rose? Pourquoi un versus fighting basé sur Double Dragon? Et pourquoi y a-t-il autant de références à Final Fight et Street Fighter dans tous les jeux alors que c'est Capcom qui a tout repris? Mais par contre putain c'est quoi ce bruit dehors? Punky? Va chier connard! Non c'est pas lui mais c'est quoi ça? Ok, c'est vraiment n'importe quoi maintenant.